That's okay. That's okay. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour les virtuels, j'ai un peu de la difficulté avec le virtuel, je m'en excuse, je vais essayer de vous voir, oui, je vais essayer de vous voir plus souvent, de vous regarder plus souvent. Je suis contente de vous voir en grand nombre, aussi en grand nombre ici en virtuel, c'est un grand plaisir de vous recevoir, au centre Paramita, de vous recevoir. Moi, je dis souvent chez vous, vous êtes ici chez vous.
vous êtes ici pour le bonheur, vous êtes ici pour, moi j'emploie souvent l'expression, hein, quand on rentre dans la philosophie bouddhiste, on commence à apprendre à travailler à son bonheur. Donc, comment on peut travailler à son bonheur? C'est ce que la philosophie bouddhiste nous enseigne. Comment on peut faire pour être plus heureux? Comment on peut faire pour avoir moins de souffrance? C'est l'objectif de la philosophie bouddhiste tibétaine. Donc, je me présente, je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hélène Hamel. Je suis avec le centre Paramita, j'étudie avec eux depuis 2010-2011 et j'enseigne pour le centre aussi depuis 2016. Donc, c'est avec moi que vous allez passer la prochaine heure. On va regarder ensemble, hein, qu'est-ce que c'est l'introduction au lamrim. On parle souvent du lamrim, de l'introduction au lamrim. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est structuré, pourquoi on appelle ça l'introduction au lamrim. Mais avant tout, comme on a eu quand même un peu d'agitation, hein, on a rencontré des personnes avec qui on n'avait pas vu depuis longtemps, on était content de les voir, on se permet même des petits bisous, c'est parce qu'on dit « c'est fun de voir les gens comme ça ». Donc, on va prendre quelques minutes juste pour simplement calmer cette agitation-là qui est née pendant la pause, là, que cette agitation-là qui s'est installée à l'intérieur de nous. Après les enseignements de Lama, on était quand même bien calme, mais là, on a eu un petit peu d'agitation, hein, pendant la pause. Fait qu'on va essayer juste de calmer ça. Hein? Une première méditation, juste un petit 5 minutes qu'on va prendre ensemble pour calmer le tout. Hein? Pour ceux qui sont moins habitués dans les méditations, hein, seulement inspire, expire, et mettez-lui le compte, mettez-y le compte si vous avez de la difficulté, si l'agitation est trop grande. Donc, on prend une petite pause comme ça de méditation pour un petit 5 minutes.
Maintenant qu'on a calmé un peu beaucoup, j'espère, l'agitation, on va peut-être être plus capable d'en profiter davantage des enseignements. Pas parce que c'est moi qui l'ai dit, là, c'est pas ça que je veux dire. C'est tout simplement parce qu'on va être plus disponible. On va avoir moins de pensées qui vont circuler, des pensées qui sont vraiment des fois plus étrangères au sujet que qu'est-ce qu'on fait ici. Il y a, dans tout apprentissage, il y a toujours trois étapes. Que ce soit n'importe quoi, que j'apprenne à vouloir pour conduire l'automobile, okay, pour aller chercher mon permis, qu'est-ce que je dois faire? La première étape, c'est toujours d'écouter. Hein? Donc, on écoute les enseignements, la première chose. Et là, on entend ce qui est dit, on écoute, on essaie de porter le plus d'attention possible. Hein? On dit que c'est très difficile de garder en mémoire tout ce qu'on va entendre. Je pense, si ma mémoire est bonne, vous voyez, ma mémoire n'est pas toujours bonne, que c'est aux alentours, je pense, de 23 ou 24 % de ce qu'on retient quand on écoute quelque chose. Si on écrit, on a plus d'avantages à ce moment-là de retenir. Et si on relit, si on lit les textes qui vont avec les écrits, les paroles, à ce moment-là, on va encore apprendre davantage, à retenir encore davantage. Donc, ça, c'est la première étape, on écoute. Et la deuxième étape, on réfléchit. Qu'est-ce que ça veut dire, on réfléchit? Ça semble simple, réfléchir. Réfléchir, ça veut dire, on pèse. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça amène comme changement? Est-ce que je suis en accord avec ce qui est dit? Est-ce que ça correspond à ma façon de comprendre comment les choses se passent? Okay? Et on réfléchit à ce moment-là si ça vient soit heurter nos valeurs ou au contraire, si ça vient nous rassurer dans certaines valeurs. On réfléchit de comment les choses sont présentées. Donc, cette réflexion-là, on va la faire à l'intérieur de nous, bien sûr, en faisant d'autres lectures, en se disant, oui, ça... Quand dans la philosophie bouddhiste, des fois, on présente des choses qui sont particulières, qu'on n'est pas habitué d'entendre. Donc, on peut en parler, tu sais, comme tout à l'heure, Lama parlait des nombreuses vies qu'on avait eues antérieurement, quand nous sommes dans des vies sans commencement. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Déjà là, des fois, certaines personnes se posent des questions sur le fait de est-ce qu'il y a pas de vie, est-ce qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, donc on renaît toujours. Donc, si on est plus ou moins en accord avec ça, on réfléchit à ça. On ne le rejette pas comme ça, de revers de la main. Tout simplement, on dit, pour l'instant, ça ne va pas nécessairement avec ce que je pense, mais je vais le garder de côté et je vais revenir voir avec le temps, voir si ça me convient ou pas, si j'adhère, je peux adhérer à ce genre de perception-là ou de ce genre d'enseignement-là. Et la troisième étape, c'est la méditation. Pourquoi la méditation? La méditation, on vient d'en faire une parce que pour mettre une pause. Quand on fait une pause au niveau de l'agitation, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui devient intégré. Il y a quelque chose qui va devenir, qui va s'installer. Plus on écoute, plus on étudie, plus on réfléchit les enseignements et plus on pratique la méditation. Puis il y a deux sortes de méditation. Il y a la méditation de concentration avec inspire, expire ou des visualisations. Et il y a la méditation d'analyse, donc la pratique de l'analyse, méditation analytique. Donc avec la méditation analytique, on pousse aussi le raisonnement. Quand on fait ce genre de méditation-là, il y a quelque chose qui s'installe à l'intérieur de nous, qui se dépose, qui va venir plus sécure, dans le sens que plus on va adhérer davantage aux enseignements, il va y avoir quelque chose qu'on parle souvent des réalisations qui va devenir un peu comme quand on apprend à conduire une automobile. Au début, il faut se souvenir de tout ce que l'on fait, de ce que le monsieur a dit en avant de nous. Je dis toujours un monsieur, ça pourrait être une madame aussi, là, l'instructeur. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, j'ai cette belle habitude-là. Donc, on va dire à ce moment-là qu'on retient ce qui est dit. Et quand je viens sur la route, là, j'y pense. Quand je commence à conduire, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, là, je me dis, oui, la personne en avant, pfiou, je ne me suis pas trompée, je n'ai pas dit le monsieur. La personne en avant, elle me dit qu'il faut que je regarde mon point mort, puis là, je peux mettre mes clignotants, puis là, je le fais comme ça dans ma pratique. Puis, éventuellement, ça devient intégré, ça devient comme une seconde nature à l'intérieur de nous, une première nature, dans le sens que je n'ai plus besoin de réfléchir et ça va devenir, à ce moment-là, intégré à l'intérieur de moi. Et je vais le faire automatiquement, je vais changer de voix sans même me soucier de ce que je vais faire parce que je sais que c'est intégré. Dans la philosophie bouddhiste, c'est la même chose.
quand on pratique la méditation, hein, parce que hier, on a parlé de la méditation du calme mental, quand on pratique la méditation du calme mental, à ce moment-là, les choses à l'intérieur de nous vont s'intégrer. Donc, c'est très important de pratiquer la méditation. Hein, quand on commence dans les enseignements du Centre Paramita, le premier cours qui nous est offert, c'est toujours l'introduction au calme mental. Donc, l'importance d'apaiser notre esprit pour bien recevoir les enseignements, pour bien, à ce moment-là, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse méditer. Donc, on apprend ça. Et après ce premier cours-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que le Centre Paramita propose? C'est l'introduction au labyrinthe. C'est le sujet qu'on va faire ensemble pendant l'heure qu'on est ensemble. Malgré que Lama en a fait quand même un petit bout hein, tout à l'heure, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses, hein, il ouvre déjà la porte hein, comme ça aux enseignements, il a parlé de choses, il a parlé beaucoup de la compassion. La compassion, hein, c'est vraiment le point central des enseignements, comment on peut développer la compassion, pourquoi la compassion, comment la compassion est. Hein, on va parler de la petite compassion, on va parler de la grande compassion, c'est des sujets, on va les voir un petit peu plus en détail comme ça, ensemble. Donc, mais avant tout, moi, je vais vous parler, parce que l'introduction au labyrinthe, il y a toujours un volume qui accompagne le cours, qui est l'introduction au labyrinthe, c'est ce volume-là. Là, j'ai le goût de vous dire, mais sans, en toute modestie, c'est probablement le livre le plus important de votre vie. Je disais que je n'exagère pas. Puis je dis probablement juste pour être modeste, parce que je vous dirais honnêtement, c'est le livre le plus important de votre vie. Pourquoi c'est le livre le plus important de votre vie? Parce que c'est comment on peut développer le bonheur, comment être heureux dans cette vie-ci, dans les autres vies, et aussi pour atteindre l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? L'éveil, c'est ce que Bouddha, c'est-à-dire Siddhartha Gautama, est devenu éveillé. Donc, on l'a appelé, hein, quand Siddhartha Gautama va aller s'asseoir au pied de l'arbre, je raconterai un petit peu son histoire tout à l'heure, quand il va s'asseoir au pied de l'arbre, après avoir eu toutes les maras, les gens qui, les obstacles qui vont venir le perturber dans sa méditation, va atteindre l'éveil. À partir du moment où il va avoir une jeune fille qui va passer à côté de lui, puis se rendre compte qu'il a atteint l'éveil, et à ce moment-là, il va dire, est-ce qu'on peut vous appeler Bouddha? Bouddha, Bouddha qui veut dire, hein, qui se traduit en tibétain par sangye, sang qui veut dire complètement purifié. Qu'est-ce que ça veut dire complètement purifié? Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune perturbation mentale. Il n'y a plus aucun voile. Un voile des perturbations, il n'y a plus de voile non plus au niveau de l'ignorance. Il n'y a plus de perturbation qui vient à ce moment-là nous empêcher d'être heureux. Hein? On a vu hier avec Nora qui a parlé des émotions, comment les émotions nous faisaient vivre toutes sortes d'états qui font qu'on est vraiment toujours en train de chercher le bonheur. Puis plus qu'on le cherche des fois, plus on passe à côté du bonheur. Donc ça, c'est sang complètement purifié et gui qui veut dire complètement réalisé. Parce qu'une fois qu'on va avoir fait complètement purifier tout ce que l'on est, on va pouvoir réaliser tout ce qu'on est dans le fond. On est la nature, notre nature, la nature pure de notre esprit, il est clair et lumineux. Donc, ça, quand on dit que quand on enlève tous les voiles, on atteint à ce moment-là cette nature claire et lumineuse-là. Donc, on devient, dans la claire lumière, on devient un Bouddha complètement éveillé. Donc, c'est ce que ça veut dire, sangye, être Bouddha. Donc, c'est dans cette optique-là que le livre a été fait. Quand on parle, je parle de celui-là, mais tous les autres, parce que le labyrinthe, hein, Lama en a parlé tout à l'heure, le premier labyrinthe qui a été écrit, mais ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'enseignement avant, mais parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Atisha au 10e, 11e siècle qui a mis le premier labyrinthe sur papier. Mais le premier labyrinthe, il a été écrit comment, hein, Atisha? Ce sont tous à partir de la base des sutras. Il y avait eu quand Bouddha enseignait, parce qu'après avoir atteint l'éveil, Bouddha s'est mis à enseigner, mais il n'écrivait rien. Bouddha, c'est sûr, ce sont ses étudiants, les gens qui l'accompagnaient, qui ont appris, trois étudiants qui ont, à ce moment-là, mis ces mots par écrit
Donc, il semblerait que ce soit textuellement fait comme ça, les mots même. On dit à cette époque, je fais juste une toute petite parenthèse, on dit qu'à cette époque, les gens avaient beaucoup plus de mémoire, pouvaient retenir des enseignements de façon mot à mot comme ça, aussi textuellement que ça, parce que la mémoire, elle était beaucoup plus vive. On dit de notre époque qu'on est dans un temps de dégénérescence et on peut comprendre que la mémoire, c'est quelque chose dont on ne travaille pas beaucoup à l'heure actuelle parce qu'on a tous à la portée de la main un téléphone, un ordinateur qui font notre mémoire et on se réfère beaucoup à ça. Mais en termes de qualité de mémoire, il paraît qu'à cette époque-là, il y en avait une bonne qualité, une bonne mémoire. Donc, les étudiants, les disciples ont mis ça par écrit et c'est ce qu'on appelle les 84 000 sutras. Les 84 000 sutras, ce sont donc les paroles de ce que les paroles que Bouddha Shakyamuni, à ce moment-là, a donné comme enseignement. Bien sûr, ce n'est pas écrit exactement comme Bouddha Shakyamuni le disait, parce que c'est assez difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vraiment, il y a des sermons de Bouddha, il y a des petits livres, c'est très difficile d'accès. Ce ne serait, serait vraiment pas accessible à les lire et à les comprendre. Donc, Atisha, lui, va faire le premier lamrim aux alentours du 11e siècle, je pense que c'est 10 000 quelque chose, Atisha. Et le premier lamrim, on peut le trouver, là, je pense qu'il est peut-être ici dans le livre qu'on a. Le premier lamrim, je pense c'est 6 pages. Celui-là, il y en a un peu plus que 6 pages, mais il est très modeste. Il est très modeste parce que je voulais vous dire que celui-là, c'est une suite de l'amrim qui va être faite, qui va être transmise. Et celui-là, il est dans la même façon, même structuré que celui de Tsongkhapa. Tsongkhapa, qu'on est au 14e siècle à ce moment-là, Tsongkhapa qui va faire les Gelug, qui c'est lui qui va partir, la lignée des Gelug, et qui va transmettre les enseignements. Donc, Tsongkhapa est c'est vraiment dans la lignée pure des enseignements. Tous les grands maîtres vont faire ça, mais on les étudie à partir de Tsongkhapa. Tsongkhapa, je ne sais plus combien, il y a 11 ou 12 volumes, 18 volumes, je ne sais plus combien de volumes. C'est pour ça que je vous dis que ce livre-là, on dirait qu'il est un livre, un petit livre à l'heure actuelle, hein, comme ça ici, mais il contient l'essence des enseignements. Et c'est à partir de ce livre-là qu'on peut apprendre et après ça, on peut aller encore dans des enseignements plus vastes. Donc, dans la Mrim, comment il est bâti? La première des choses, c'est qu'on parle de l'excellence de l'auteur. C'est qui l'auteur? Ben, l'auteur, si on remonte vraiment à la source, c'est Bouddha Shakyamuni, bien sûr. C'est les 84 000 sutras. Mais même Bouddha, même à ça, Bouddha dit tout le temps, il dit, ne croyez pas mes enseignements parce que c'est moi qui le dis. Vous avez à ce moment-là à vérifier les enseignements comme si c'était de l'or. Donc, si vous achetez de l'or, hein, on va couper l'or pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui est juste en surface. On va faire fondre l'or, on va frotter l'or pour voir si ce n'est pas juste du plaqué. Tout ça. Donc, on doit vérifier les enseignements de la même façon. Donc, quand on accepte, quand on entend, quand on écoute les enseignements qui sont donnés à travers le lamrim, il faut avoir toujours cette préoccupation-là de comprendre, de remettre, d'analyser, de critiquer, de voir est-ce que je comprends, est-ce que je ne comprends pas. Donc, on a ce travail-là à faire avec les enseignements qui nous sont transmis, hein, de ne pas les croire sur parole, mais de bien analyser qu'est-ce que ça veut dire et de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, Siddhartha, Bouddha Shakyamuni, il disait à ce moment-là, ne croyez pas mes paroles, mais vous avez à les vérifier. Je fais une autre petite parenthèse. On devrait faire beaucoup, beaucoup ça hein, dans nos temps, à l'heure actuelle, parce que des fois, on est porté à croire des choses parce qu'elles sont très, très, très à portée de la main. Mais il faut vérifier toujours d'où ça vient. Quelle est l'origine? Comment peser? Comment analyser quelque chose pour savoir si c'est vrai ou pas? Le lamrim, pour savoir s'il est vrai ou pas, on peut facilement remettre en question, dire, oh, ça ne me convient pas, ça, je ne suis pas certaine. Mais la seule façon de voir si oui ou non, c'est la clé du bonheur, si oui ou non, on va avoir
le bonheur avec le labyrinthe, c'est de le mettre en pratique. C'est comme si je veux savoir si j'ai bien conduit mon auto, si j'ai bien réalisé, je vais me pratiquer. Hein? Je ne peux pas dire que je vais avoir mon permis de conduire pour pratiquer l'auto parce que je n'aurai jamais, ça ne sera pas intégré. Mais là, on va pratiquer. Pratiquer quoi? Pratiquer les enseignements. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer les enseignements? Ça veut dire qu'à chacun des thèmes qu'on voit dans le labyrinthe, on finit souvent, on finit ou on le fait chez soi, par des méditations pour voir si on comprend à ce moment-là, ce qui était dit, pour que ça ait à ce moment-là un sens dans notre vie quotidienne. Donc, quand on regarde comment qu'il est fait de la Bible, on commence par quoi? On commence par l'excellence de l'auteur. Hein? Je vous ai parlé de Bouddha Shakyamuni, comment on pouvait se fier à ses enseignements. Et ces enseignements-là sont d'une lignée pure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interruption de transfert de connaissances d'un maître à l'élève. Et ce n'est pas pour rien. Quand on parle d'une transmission des enseignements, des transmissions, l'ama va faire des transmissions de pouvoir, mais ça, c'est particulier. Mais les transmissions se font toujours à ce moment-là de maître à élève et en direct le plus possible. OK, pour les transmissions. Donc, les transmissions, ils sont sans interruption. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont toujours, c'est une lignée pure. Donc, on parle de l'excellence. Comment c'est important de vérifier l'excellence de l'auteur? L'excellence du dharma. OK? Donc, on parle aussi comment le dharma représente la totalité de ce que les Bouddhas ont dit, c'est-à-dire les 84 000 sutras. Comment ils sont sans contradiction? Comment ils sont faciles à comprendre aussi pour les mettre en pratique? Comment on peut les voir comme des instructions de pratique? Si ça ne vous rejoint pas dans votre vie quotidienne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas entre l'enseignement qui est donné et la pratique qui va se faire. Il faut être capable de voir comment, dans ma vie, je peux le faire. Après, si on parle de comment écouter, comment enseigner, hein? Comment écouter, hein? Très important. On donne l'exemple dans le labyrinthe de comment écouter des trois bols. Hein? On en parle souvent, tu sais, des trois bols. On dit, ah, là, je vais aller le porter là, lui, ça, en tout cas. Bon, si j'ai un bol... Oui, c'est ça, j'ai l'envie de ma table. Non, il n'y a pas de problème. Oui, il y en a un ici, mais c'est ça, il est plus gros, c'est ça. Si je prends un bol, ça, je peux prendre celui-là ici, je vais s'enlever. Ton beau, ces bols-là. Ah, si je prends un... C'est vrai que ton beau, excusez mes commentaires, tout à fait superficiel. Si je prends un bol comme ça, OK, mais qu'il y a un fond qui est sale, OK, si je mets du lait dans mon fond qui est sale, c'est certain que le lait ne restera pas blanc. Okay? Pourquoi? Parce que le lait, la saleté va venir salir mon lait et il va être comme ça. À quoi on correspond? À quoi on dit que ça correspond? Ça, c'est quand on a une mauvaise motivation. Qu'est-ce que ça peut être une mauvaise motivation quand on écoute? La mauvaise motivation, c'est quand on écoute. Il y a plusieurs sortes de mauvaises motivations. Okay? Mais une des motivations, je vous en donne un exemple, c'est celle de dire, ah, moi, je vais écouter des enseignements bouddhistes, je vais porter un mala, je vais avoir tout un beau bol chantant, OK? Je vais devenir bouddhiste parce que c'est à la mode ou que ça paraît bien, OK? C'est une motivation qui est un peu pas mal, pas particulièrement intéressante dans le sens de pour entendre les enseignements. Si c'est pour le paraître, qu'on veut devenir bouddhiste, ce n'est pas nécessairement la meilleure des motivations. C'est pour ça qu'on va parler d'un bol sale. Quand on parle à ce moment-là d'un bol, si je mettais un bol qui est troué, je vais reprendre l'exemple de Jason, pour ceux qui connaissent peut-être l'exemple, qui l'ont déjà vu ou déjà entendu de Jason, si je mets des cherry goes dans mon bol et que le bol est percé, puis que je mets le lait, si ça sonne à la porte, puis je m'en vais répondre, quand je vais revenir, dans mon bol, il n'y aura plus de lait, il va y avoir juste les Cheerios. Donc, je vais avoir perdu une partie de ce qu'il y avait dans mon bol. Pourquoi? À cause des trous. À quoi ça fait penser? Ça fait penser à des distractions. Okay? Donc, à ce moment-là, à une certaine agitation qu'il peut y avoir. Et je retiens, comme je parlais tout à l'heure, on retient. Déjà, c'est très difficile déjà de retenir. Mais si en plus, j'ai une certaine distraction, je vais en perdre encore un peu plus. Hein? Il va me rester juste mes Cheerios, il va me manquer tout le lait. Fait que ça, c'est comme une grosse partie aussi. Hein? Et la troisième façon, c'est si je mets le bol à l'envers, puisque j'essaie de mettre du lait, des Cheerios, il n'y a absolument
n'y a absolument rien. Excusez-moi, je viens de voir le... Je dis absolument rien qui va rentrer, qui va retenir. Hein? C'est quoi ça? Ça, c'est, hein, on le voit souvent dans la pratique du calme mental, ça, c'est quand on est, le corps est là, mais l'esprit n'est pas là. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a fait une petite méditation ensemble tout à l'heure, parce que pour ramener l'esprit ici. Parce que quand il y a trop, une trop grande agitation, ou quand on est, l'esprit n'est pas ici, quand l'esprit est en train de penser aux problèmes qu'on peut avoir à ce moment-là, ou à ce qu'on anticipe comme difficulté dans la semaine prochaine ou dans 3 jours, à ce moment-là, on n'écoutera plus les enseignements. Donc, on essaie de voir comment bien écouter. On parle aussi de comment enseigner. Donc, ça, c'est comme des bases qu'on essaie de développer avant toute chose. Et puis ensuite, on va parler de la méditation. Pourquoi la méditation? Je vous en ai dit tout à l'heure, hein? On pratique la méditation pour avoir un bon calme mental, pour être capable à ce moment-là et de bien comprendre les enseignements, mais aussi pour développer la méditation analytique, parce que qu'est-ce qu'on veut faire? Un des grands facteurs de nos problèmes, un des grands causes de nos problèmes, la principale perturbation mentale, le principal agent de notre malheur, c'est notre ignorance. Donc, l'ignorance, c'est quoi? C'est l'ignorance, on est ignorant dans la façon dont on perçoit la réalité. Donc, pour développer cette sagesse-là qui perçoit bien la réalité, j'ai besoin à ce moment-là d'une bonne concentration, d'une bonne méditation pour être capable de faire des méditations analytiques. Et on va parler beaucoup de vacuité, hein, de l'interdépendance. Hein. Il y a un chapitre, un tout petit, bien ici, il n'est pas grand, mais les 12 liens interdépendants. Comment tout s'enchaîne tout le temps comme ça, les uns après les autres. On est dans multiples causes et conditions. Donc ça, c'est un sujet qui est très important. Il y a une retraite, la mère donne une retraite sur les 12 liens ou la vision supérieure. Ce sont des retraites qui sont très intéressantes. Donc, le Lamrim expose ça. Donc, quand je vous présente comme ça des chapitres, on va continuer tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça fait, le Lamrim? Le Lamrim, comme je dis souvent, c'est que ça nous donne comme le pourtour d'un casse-tête. Hein? Le Lamrim, ici, l'introduction au Lamrim, c'est comme si quand je vais faire un grand casse-tête de 1000 pièces devant moi, on commence comment? On commence par faire le pourtour comme ça ici pour être capable, après ça, d'aller compléter l'intérieur. Donc, le Lamrim, c'est à ça, il nous permet de faire ça, c'est-à-dire qu'on sait tout ce qui doit être vu, ou tout ce qu'on peut essayer de voir, et avec le temps, je vais aller chercher des approfondissements sur le calme mental, des approfondissements sur la vision supérieure, des approfondissements sur, à ce moment-là, les actes des bodhisattvas. Je vais aller chercher tout ça. Mais le cadre, il est défini par le Lamrim, par l'introduction du Lamrim. Et là, on commence dans les sujets qui nous intéressent le plus, parce que ça, c'était comme la mise en bouche, quand on commence à manger, il y a toujours une mise en bouche, mais c'est vraiment le début. Et là, on commence, on dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous ressemble, nous, présentement? Qu'est-ce qu'on a en commun, nous, présentement, ensemble? Hein? Que ce soit vous, ici, sur Zoom, mais que ce soit aussi ensemble, c'est que nous avons une vie humaine. Ah, mais une vie humaine, mais est-elle précieuse, la vie humaine? Hein? Ce qu'on dit ici, dans le Lamrim, c'est que nous avons des précieuses vies humaines. Pourquoi des précieuses vies humaines? On va parler des 8 libertés et 10 richesses. Hein? Les libertés et les richesses, les libertés, c'est les choses qu'on n'a pas. Hein? On n'a pas des handicaps, on n'a pas des difficultés pour obtenir les enseignements. Toutes ces choses-là, on parle des handicaps et toutes les difficultés, des obstacles. Et tandis que dans les richesses, ça va être à ce moment-là, les 10 richesses, ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a, nous, avec notre précieuse vie humaine? On a notre précieuse vie humaine, nous permet, entre autres choses, bien sûr, de recevoir les enseignements. On est dans une époque, dans une ère, où le Bouddha est venu sur notre terre, okay, ce qu'on appelle le continent du Jambudvipa, continent du Sud. Donc, on est à ce moment-là excessivement chanceux d'avoir des enseignements, parce qu'on dit que les Bouddhas ne viennent pas comme ça. Il y a des aires où les Bouddhas ne sont pas là pour donner les enseignements. Donc, nous, on a eu la chance d'avoir
accès à être dans la même époque, même si on est décalé de 2500 ans, mais on peut recevoir les enseignements de Bouddha. Donc, c'est une chance inouïe. Et si vous remarquez aussi, on a, nous ici, en tout cas, je parle pour au Québec, en France, c'est peut-être aussi différent, mais en France, au Québec, ici, c'est les enseignements bouddhistes, c'est assez quand même récent qu'on a accès à des enseignements bouddhistes ici. C'est très rare. Quand on pense juste comment le Centre Paramita a été mis sur pied par Lama Samten, c'est extraordinaire. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Lama Samten, je ne veux pas non plus m'étirer là-dessus. Hein, Lama Samten qui, lors d'une tournée en Amérique du Nord, faisait une tournée de chant et de chant et de danse tibétaine, va être invité à un moment donné à venir enseigner ici au Québec. C'était à Chicoutimi, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Puis, c'est comme ça qu'il va finir par s'installer au Québec. C'est quand même, quand on y pense, assez inouï de pouvoir avoir ces enseignements-là. Donc, notre précieuse vie humaine, elle est surtout à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre précieuse vie humaine? Est-ce qu'on va avoir une précieuse vie humaine toujours? Il n'y a rien qui le garantit. Hein? Donc, ce qu'on veut faire à ce moment-là, on va commencer à voir cette précieuse vie humaine-là, d'abord, combien de temps elle dure. Il n'y a personne ici qui peut dire combien de temps notre précieuse vie humaine va durer. Okay? La chose qui est certaine pour tout le monde, c'est qu'on va tous mourir. Et on n'aime pas ça parler de la mort, hein, c'est ça. Mais on est tous impermanents. Ça, c'est la chose la plus fondamentale qu'il faut retenir. On est tous impermanents et ce n'est pas juste les personnes humaines qui sont impermanentes. Tous les phénomènes sont impermanents. Il n'y a aucun phénomène qui va perdurer. Donc, le fait que ce soit impermanent, le fait que ça ne dure pas, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Comment je peux faire pour avoir minimalement une prochaine renaissance? Parce que si cette vie-ci, ici, ne perdure pas, je vais avoir quelque chose, je vais avoir une renaissance après. Or, les renaissances qu'il va y avoir après, ce n'est pas nécessairement des renaissances qui sont heureuses. Hein? Je peux renaître de bien des façons. Si on veut savoir comment on va renaître, c'est important de voir comment on a cette vie-ci. Donc, dans l'impermanence, on va dire que les choses ne durent pas. Hein? C'est important de se souvenir de la mort. C'est important de se préparer à mourir. Là, on me dit, moi, quand j'en parle dans les rapports du Centre Paramita, des fois, une fois de temps en temps, j'en parle un petit peu. Mais quand je dis, oui, on se pratique à mourir, les gens ne me trouvent pas drôle. Surtout ma fille, elle n'aime pas tellement que je dis, je me prépare, elle me pratique à mourir. Tu sais. Ce que je veux dire, par contre, c'est ça, il faut que j'explique, c'est quand on dit, on travaille à préparer la mort. C'est qu'on travaille, on oublie ce qu'on fait aujourd'hui, dans le sens que ce n'est pas une finalité aujourd'hui. On va essayer de préparer sa mort pour avoir une belle mort, mais pour avoir une prochaine renaissance. Donc, bien sûr, nous, on parle un peu, mais pas au tout début dans le labyrinthe, mais on va en parler un peu de comment mourir. Hein? On va parler de toutes les dissolutions. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Hein, tout à l'heure, je parlais de la claire lumière. Mais l'instant, la nature pure de ce que l'on est, c'est la claire lumière. Mais où on la trouve, cette claire lumière-là? C'est dans le processus de dissolution. Hein? À la mort, il y a 8 étapes de dissolution. Et la dernière, on touche à la claire lumière. C'est là-dessus qu'on se base pour dire c'est notre nature ultime. Nous sommes dans la pure lumière, la claire lumière. Donc, on va parler de la mort. On va parler beaucoup de la mort et de l'impermanence de tous les phénomènes parce que entre autres choses, quand on parle de l'impermanence, on vient aussi travailler à diminuer une des perturbations mentales les plus importantes, un des trois poisons, qui est le désir-attachement. Si j'oublie que la mort va arriver, que quelque chose va se terminer, que c'est sûr, si j'oublie ça, je vais m'attacher. Je vais m'attacher à quoi? Je vais m'attacher, bien sûr, aux possessions matérielles, mais je vais m'attacher aussi aux gens. Mais le principal attachement, et c'est là un de nos grands problèmes, on est attaché à ce corps-là, on est attaché à cette personne-là, à cet égo-là. Donc, cet attachement-là fait que tous nos actes sont portés beaucoup plus à protéger cet égo-là, à protéger, à nourrir ce moi-là. Donc, notre vie est beaucoup plus centrée sur ce qu'on appelle l'égoïsme, okay? Tout ce qui est centré vers soi-même, tandis que ce qu'on cherche
évidemment, parlait beaucoup de la compassion. La compassion, c'est à ce moment-là quand je veux travailler pour tout le bien des êtres sensibles. La compassion, c'est celle qui dit, moi, je souffre, mais il n'y a pas juste moi qui souffre, il y a tous les autres qui souffrent. Hein? On parlait tout à l'heure d'équanimité, les gens qu'on aime, les gens qu'on n'aime pas, les gens pour qui on a de l'indifférence. Donc, quand on parle de ces gens-là, tous les gens, mais on parle aussi de tous les êtres sensibles. Hein? On dit que 6 sortes d'êtres sensibles. Nous, les humains, nous sommes qu'une des 6 sortes. Et c'est quand on compare par rapport aux animaux et aux insectes, nous sommes qu'une petite partie des êtres sensibles. Donc, mais tous les êtres sensibles vont être appelés comme ça à souffrir. Donc, on dit la compassion, développer la compassion pour que la souffrance cesse. Donc, comment on peut faire ça? Donc, ce souvenir, on va travailler avec ce souvenir-là de la mort, de l'impermanence, pour être capable de se donner une motivation pour s'engager sur le chemin de la pratique. Donc, on va prendre tout à l'heure, Lama en a parlé dans sa présentation, on va prendre refuge. Qu'est-ce que ça veut dire prendre refuge? Prendre refuge, hein, si je m'en vais dans le bois et qu'il y a un gros orage qui éclate et que je me fais complètement mouiller si je ne bouge pas, hein, puis qu'il y a une petite cabane qui est là dans le bois, je vais aller me placer dans la petite cabane ou sous le toit de la petite cabane pour mettre au refuge. Si je prends refuge, ça veut dire à ce moment-là que je vais prendre des enseignements pour être certaine que je vais pouvoir, à ce moment-là, avoir une sorte de vie qui va faire que je vais pouvoir cheminer et avoir un bonheur qui est possible. Un bonheur pourquoi? Un bonheur pour ma prochaine vie, ma prochaine renaissance. Hein? On va tous mourir. Ça, c'est la chose la plus incontestable. Tout le monde meurt. Mais si je veux savoir d'où je viens, hein? Des fois, on parle des vies sans commencement. Mais si je veux savoir d'où je viens, okay, qu'est-ce que j'ai fait dans mon passé? On dit, regardons notre corps. Notre corps parle de ce que nous avons été dans le passé. Parce que là, on va parler du karma. Hein? On parle avec le karma. Qu'est-ce que le karma? Comment le karma s'installe? Karma, hein, ce n'est pas un karma qui vient au-dessus de la tête. Le karma, il se traduit en tibétain par « les », qui veut dire « action ». Simplement, c'est la suite d'une action. Hein? Si j'ai fait des actes négatifs, à ce moment-là, dans cette vie-ci, je vais avoir l'impact des actes négatifs. C'est quoi les conséquences de l'impact des actes négatifs? Si je veux savoir qu'est-ce que va être mes prochaines vies, à ce moment-là, je vais regarder mon état d'esprit. Donc, mon état d'esprit va faire que si je suis vraiment très portée à développer ma compassion, à prendre soin des autres, à essayer de travailler à diminuer toutes mes perturbations mentales, si je prends soin des gens qui m'entourent, mais aussi de l'environnement, si je prends soin des animaux, de tous les êtres sensibles, à ce moment-là, j'ai plus de chances de m'accumuler du karma positif et d'avoir une renaissance qui est heureuse. Mais la renaissance heureuse, c'est ce qu'on appelle la petite capacité. Hein? La petite capacité qui veut qu'après la vie humaine ici, on ait une prochaine renaissance heureuse. On va essayer d'y travailler en ayant quoi? En ayant une bonne éthique. Donc, hein, comme je disais, essayer de se restreindre des faits négatifs, des actions négatives, pour essayer d'avoir des actions positives. Donc, développer beaucoup de compassion, essayer de toujours avoir plus de bonté pour les gens, tous les êtres sensibles. Donc, à ce moment-là, on va voir comment le karma s'installe, comment on va étudier avec le Lambrim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a des... Le karma, hein, il est vraiment, il ne faut pas penser qu'il vient de l'extérieur, c'est nous qui l'installons et il est toujours là, dans le sens que si je mets une action, si je prends une pensée, il y a un karma, il y a une action qui va suivre par la suite. Il va y avoir quelque chose. Donc, on parlait de ça, c'est la petite capacité. Mais la petite capacité, quand je me mets à regarder la petite capacité, je veux renaître. Je ne suis pas assurée d'avoir une renaissance heureuse. On va dire que on va espérer minimalement avoir une renaissance humaine pour pouvoir continuer à cheminer. Mais on dit, je vais quand même rester dans la souffrance. Fait que je veux atteindre la libération des souffrances. La libération des souffrances, hein, comment on fait ça pour vouloir atteindre la libération? C'est ce qu'elle appelle la moyenne capacité. C'est atteindre l'éveil, mais le petit éveil, le nirvana. C'est être libéré
des souffrances de la réincarnation, je sors du samsara, mais je vais avoir à ce moment-là ce qu'on appelle le petit éveil, c'est-à-dire que je n'ai pas l'omniscience, donc je vais avoir le petit éveil. Donc, je vais être dans une paix, dans une espèce de grande paix pour tout le restant, OK? Donc, et je vais rester à ce moment-là dans des états comme ça, mais sans avoir l'ampleur de ce qu'un Bouddha est. Donc, la vraie libération, la grande libération, ce qu'on appelle la grande libération, la grande capacité, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là atteindre l'éveil, comme Siddhartha Gautama a fait, donc devenir un Bouddha pour atteindre l'éveil, où là, il est omniscient. Pourquoi on veut atteindre l'éveil? Pourquoi on veut atteindre, toucher à la grande capacité? C'est quand on regarde toutes les souffrances. Quand on regarde, hein, Lama en parlait tout à l'heure, quand on regarde toutes les souffrances, quand on se met à observer toutes les souffrances qui nous entourent, à ce moment-là, on se dit, oui, des fois on se dit, ah, oh, ben c'est pas grave, c'est juste pour moi, c'est correct, j'accepte, tu sais, je me dis, bon, les souffrances, ça fonctionne comme ça. Des fois, on est un peu dur pour soi-même. Moi, je me dis, on devrait des fois prendre soin plus de soi-même. Mais c'est la souffrance, si on regarde, si on a des enfants, quand on pense à tout ce que nos enfants vont avoir à vivre comme ça, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on se dit, est-ce qu'on plonge nos enfants dans la souffrance? Avoir une vie, ça veut dire être dans la souffrance, avoir une vie humaine, ça veut dire ça. Donc, c'est pour ça qu'on étudie beaucoup les souffrances. Donc, on se dit, ça, c'est mes enfants, je ne pourrais pas, est-ce que je peux leur éviter les souffrances? Non, on ne peut pas éviter de souffrance à personne. Le seul moyen d'atteindre à ce moment-là les plus grands moyens, les plus grandes capacités, c'est de devenir un Bouddha. Et là, on dit à ce moment-là, on va essayer de viser la grande capacité, c'est-à-dire d'atteindre l'éveil. Mais comment on fait ça, vouloir atteindre l'éveil? Parce que, je dis, hein, c'est comme, on dit les étapes de la voie de l'âme, ça veut dire étape de la voie, c'est petit pas à petit pas à petit pas comme ça qu'on fait. Donc, on est toujours en train de cheminer, toujours comme ça en avant, pour essayer de toujours mieux faire et de comprendre comment les choses s'installent, comment on peut faire pour, à ce moment-là, être capable d'atteindre l'éveil. Donc, quand on a parlé beaucoup des souffrances, après avoir parlé beaucoup des souffrances, on va dire, ils viennent d'où? Et c'est là qu'on va toucher aux quatre nobles vérités. Les quatre nobles vérités, Siddhartha Gautama, quand il atteint l'éveil, là, il va avoir tout de suite après son éveil comme ça, excusez-moi, il va parler de ce qu'on appelle les quatre nobles vérités. Mais les quatre nobles vérités, il va avoir une hésitation avant de donner ces enseignements-là, parce qu'il s'est dit, Bouddha, est-ce que les gens vont accepter ce que je dis? Est-ce que les gens, je vais effrayer plus les gens à ce moment-là pour en donnant ce qu'il avait découvert, ce qu'il avait réalisé dans son éveil, hein, parce que c'est une réalisation. Alors, les nobles vérités, c'est ceci est la noble vérité de la souffrance. Donc, tout ce que je vous parle depuis tout à l'heure de toutes les souffrances, à ce moment-là, Bouddha Shakyamuni, il parle de ça, c'est la première des nobles vérités. La deuxième des nobles vérités, ceci est l'origine des souffrances. Et là, Bouddha Shakyamuni nous explique c'est quoi l'origine? Pourquoi on souffre? Comment ça se fait qu'on est tant dans des souffrances que ça? Et là, il va parler des perturbations mentales. Il va parler des trois poisons, hein, tu sais, le désir attachement. Il va parler de l'aversion. Il va parler de l'ignorance. Hein, ce sont les trois principales perturbations, tout ce qu'on appelle les trois poissons. Hein. Il y a aussi les fausses vues. Il y a l'orgueil, il y a d'autres perturbations. On va parler de ça. Donc, ça, il explique à ce moment-là. C'est quoi les nobles vérités? Donc, la première, la souffrance. La deuxième, les origines. Donc, comment comprendre pourquoi on souffre? Comment ça se fait que nous, on est dans les souffrances? On va toujours être dans les souffrances si on ne travaille pas à cheminer vers les étapes de la voie. Et, par exemple, ce qui est important, c'est la troisième, ce qu'il faut se souvenir. Ça, c'est ce qu'il faut, c'est les difficultés. Mais après ça, la troisième, ceci est la noble vérité de la cessation. La cessation. Plus aucune souffrance, plus absolument aucune souffrance. Qu'est-ce qu'on veut? Pour soi-même, bien sûr, on veut que les souffrances cessent. Mais pour les gens qu'on aime, on veut aussi que les souffrances cessent. Mais pour tous les gens, pour tous les êtres sensibles, on veut qu'il n'y ait plus de souffrance. Hein? On veut, mais parlait tout à l'heure, Lama parlait de l'équanimité. Parce que les gens que l'on aime, les gens que l'on déteste, ou les gens pour qui on a de l'indifférence, ils sont tous égaux.
par rapport à moi, pour moi, je devrais les considérer de la même façon. Parce qu'ils ont été dans mon passé. Même dans cette vie-ci, nos amis ont été nos ennemis. Nos ennemis, des fois, ils viennent des amis. Hein. Même dans une simple vie, hein, on n'est pas toujours amis pendant 20 ans avec la personne. Des fois, hein, après 10 ans, on peut briser des amitiés. Hein. Donc, les amis, donc, développer cette équanimité-là envers tous les êtres sensibles comme ça. Donc, ça, c'est, on dit, on veut sortir, faire sortir, cesser la souffrance pour tous les êtres sensibles, hein, qu'ils soient tous nos amis, les personnes les plus chères qu'on aime de façon égale. Et la quatrième des nobles vérités, c'est ceci est la noble vérité de la cessation des souffrances. Donc, comment on fait pour cesser de souffrir? Comment on fait à ce moment-là pour développer suffisamment de compassion pour cheminer, pour être capable d'aider les autres sur la voie pour la voie du bonheur? Parce que je disais au tout début, l'amrim, c'est la voie du bonheur. Surtout à partir du moment où je vais me mettre à travailler, qu'on appelle la grande capacité, c'est à vouloir me libérer, mais pas pour juste pour moi, mais bien me libérer à ce moment-là pour être capable d'aider les autres à se libérer de la souffrance. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut voir comment on arrive au chapitre de comment développer l'esprit d'éveil. Tout à l'heure, Lama a parlé des sept causes et effets. On dit qu'il y a deux méthodes pour développer l'esprit d'éveil. La première, c'est les sept causes et effets, qui sont à ce moment-là comment je peux considérer comme tous les êtres sensibles comme étant mes mères. Hein. Tous les êtres sensibles, on a tous été la mère de quelqu'un et dans le passé, on a eu tous les êtres comme des êtres sensibles hein, parce qu'on a eu des vies sans commencement. Et comment sur le fait que, parce que tous les êtres sensibles ont un jour été ma mère, comment je peux développer cette compassion, hein, vouloir leur redonner cette bonté-là, vouloir aussi développer la compassion à un point tel qu'ils ne souffrent plus. Donc, à ce moment-là, et leur donner le grand bonheur. Donc, c'est comment je peux faire ça? Donc, c'est la première étape. On parle des sept causes et effets. Et sur ça, je vais développer ce qu'on appelle une intention résolue. Résolue de dire quoi? De dire, moi, je vais cheminer sur les étapes de la voie pour en arriver à me libérer moi-même, pour être capable par la suite de libérer les autres. Bien sûr, ce n'est pas le résultat final qu'on veut atteindre tout de suite comme ça. On le sait qu'on ne peut pas l'atteindre du jour au lendemain comme ça. Mais en changeant des façons de voir, en changeant nos habitudes, en travaillant sur ce que l'on fait, okay, en travaillant sur ce que l'on est, on va transformer à ce moment-là notre esprit qui était très perturbé à un esprit qui est plus discipliné et à développer aussi et la sagesse en même temps pour être capable de cheminer. Donc, on va travailler à développer l'esprit d'éveil pour être capable d'aider tous les êtres sensibles à s'en sortir de ces souffrances-là. Donc, c'est là que nous amène le lamrim, de voir, de partager comment on peut aider tous les êtres sensibles. Une fois qu'on aura développé ce qu'on appelle la bodhicitta, qui veut dire esprit d'éveil, ce qui nous amène à devenir un bodhisattva éventuellement. Hein? C'est développer, si vous regardez ici, c'est l'arbre. Quand j'ai donné avec Noura, je ne sais pas si elle est là, mais on donnait des ateliers pour les enfants. Ça, c'est l'arbre de la bodhicitta. Hein? C'est un arbre entre ateliers. Et si vous voyez les hiboux qui sont en pourtour de l'arbre, ce sont les six paramitas. Hein? Paramitas qui veut dire des perfections. Pourquoi on les appelle des perfections? Hein? Il y a la générosité, l'éthique, la patience, l'effort joyeux, la concentration et la sagesse. C'est qu'à partir du moment où on développe l'esprit d'éveil, quand on travaille à développer ces qualités-là, ces paramitas-là, elles deviennent les qualités deviennent des paramitas. On dit que c'est les bodhisattvas. Quand ils font, ce sont les actes des bodhisattvas qui font que ça devient des paramitas. Parce que toutes ces qualités-là qu'on cherche à développer pour atteindre atteindre la bouddhéité, vont devenir un jour, quand on va devenir un bodhisattva, ça va devenir à ce moment-là ce qu'on appelle des paramitas. Donc, ça, c'est le chemin. Hein? C'est le chemin qu'on cherche à atteindre
comment. Et pour, il y a d'autres façons aussi, c'est-à-dire des enseignements supplémentaires dont on parle un peu. Hein. On parle beaucoup des sutras, mais il y a aussi le Vajrayana qu'on va parler. On va parler du Tantrayana, on va parler un peu des mantras secrets, parce que ça aussi, c'est une partie de la méthode qui va beaucoup plus vite quand on parle. Si on travaille juste avec les sutras, ça nous donne accès aux enseignements, ils sont la base, on doit les étudier, on doit vraiment y méditer, y réfléchir là-dessus. Mais il y a une façon encore plus rapide d'avancer, de cheminer, de se transformer, c'est ce qu'on appelle le Vajrayana, où on travaille avec des mantras et des tantras, des mantras secrets, des tantras. Donc, c'est une autre façon aussi de travailler sur, avec la grande capacité. Et là, on est vraiment dans le cœur de la grande capacité quand on parle de l'esprit d'éveil et des différents chemins qu'on prend là-dessus. Donc, c'est pour ça que quand on connaît le lamrim, quand on commence à pratiquer le lamrim, je dis tout le temps, c'est là qu'on commence à travailler à son bonheur. C'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut lire le lamrim. C'est pour ça qu'il est, pour moi, qui est le livre le plus important dans cette vie-ci. Okay? C'est pas un livre à cause du livre, la valeur qu'il a, c'est un livre à cause de la pratique que vous pouvez en faire. C'est un livre que si vous acceptez de plonger dedans, vous allez y trouver des trésors. Moi, quand j'ai commencé à étudier le lamrim, je disais, hey, mon Dieu, je ne comprends pas. Là. Il me semble que ce n'est pas clair. Et plus je travaille dans ce livre-là, plus je travaille à comprendre ce qu'il veut dire, plus je travaille et plus je médite sur ce livre-là, je me rends compte, hein, des fois, je prends comme exemple, les mots, les mots qui sont employés sont souvent comme des poupées russes. C'est-à-dire que la première fois qu'on le lit, on comprend un premier sens. On le relit, il y a un autre sens qui nous apparaît, et un autre sens, et un autre sens. Plus on le lit, et plus on va comprendre l'ensemble, et plus on comprend aussi tous les fils qui relient ce livre-là. Donc, c'est ce que je vous souhaite pour votre parcours, de trouver un plaisir. Moi, avant, j'étais une fan de polar, de romans policiers. Je lisais beaucoup, beaucoup de romans policiers. Et je dois vous dire maintenant que tous les romans policiers qu'on m'offre, maintenant les gens le savent, mais ils m'en offrent plus là, mais parce que maintenant c'est rendu tellement pour moi, je ne me force pas à ne pas aimer, je veux dire, c'est rendu ennuyant pour moi. Tu sais, je regarde la fin et je me dis, ah oui, c'est chaud, c'est bon. Mais plus j'étudie ce volume-là, plus je me dis, ah, mais je ne le savais pas, je viens de comprendre quelque chose. Ces découvertes-là sont extraordinaires à faire. Plus vous allez y mettre le temps et plus vous allez vous donner la permission de prendre le temps pour le lire, le comprendre et l'étudier, plus vous allez travailler à votre bonheur. C'est ce que je vous souhaite pour cette continuité-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit de genre. Je pense que j'ai atteint mon temps. Juste pour, hein, pourquoi on fait ça? Hein, on travaille pour le bonheur de tout le monde, mais pour éviter aussi que notre bonheur, cette belle énergie-là qu'on a créée ensemble aujourd'hui, on va la dédier comme on fait toutes nos dédicaces pour le bien de tous les êtres sensibles, pour que les mérites qu'on a accumulés à ce moment-là ne soient pas perdus. Pour que s'il arrive quelque chose, que ça, ça soit protégé. Pour ceux qui suivent les cours de calme mental, hein, pour dire, on l'a ensemble, fait qu'on le fait ensemble. Hein, c'est le Changchup. Moi, je n'ai pas une voix mélodieuse au départ, excusez-moi, je n'ai aucun talent musical. Donc, ça se fait comme ça. Changchuk Senchuk Rinpoche Makye Panam Kye Gurchik Kye Panyam Pame Payam Kone Kontu Perwa Shou. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous souhaite de travailler à votre bonheur. N'oubliez pas. Le lamrim, la session se termine. Là, mais à l'automne, il va falloir voir. Oui, à l'automne, on peut penser. Hein. Il y a le profondissement du lamrim ici. Peut-être qu'il va y avoir une introduction du lamrim aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
pleine cause de bonheur. Oui. Est-ce que vous connaissez Daniel Lamontagne? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous faites plein de bon penser à elle. Ah, c'est une femme, Daniel Lamontagne? Oui, oui, oui. C'est une amie. J'habite en Estrie. Puis, j'étais convaincu en vous écoutant que vous étiez comme sa sœur. Ouais. Non, je m'excuse. Non, je ne la connais pas du tout. Non, c'est ça. Okay. Ouais, merci beaucoup. Derrière, ça me fait grand plaisir. Grand plaisir. Plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vous connais pas beaucoup, c'est la première fois que je vous vois. Contente. Ah, il y en a aussi, il y a d'autres là, mais il y a Linda, OK. J'espère que ça a été clair. Bonjour. Okay. Au plaisir. OK. Bye. À la prochaine, peut-être. Je me déciderai peut-être à faire du virtuel. Bye. Isabelle,
Ouais.